Salut, ici Adozikun. Je viens commenter du Kuman Echo. Ah, l'écran va s'éteindre. Ok. Bon. Ouais, t'as vu Oliver, je triche un max. Après, non, c'est parce que Mario CSD aussi, c'est pas. Ça arrive. C'est malencontreux, mais ça arrive. Mais là on a le Kazuya. Ouh, il a failli se faire spike hein. Ça aurait pu être dangereux pour lui. Le S-Mitch qui passe à pas grand chose aussi. Surtout que la Pikachu hein, il explose, il meurt. Il perd même deux stocks à la fois. J'aimerais réparer cet affront avec plaisir. Ah ça l'a frôlé. On a vu des petites étincelles sur la queue de Pikachu qui a frôlé les deux de fist. Ah le Pikachu il triche hein. T'as vu Pikachu aussi s'affiche. Il passe en dessous des lasers. Petit jolt pendant que Kazuya est loin en faisant ses lasers. Il s'affiche un max, mais là on a la range drive. Oh, il a tenté hein. Il a tenté de se SD avec. Et il a touché. Dommage. Pourtant il est overshoot hein. Il est allé plus loin que Pikachu était déjà. Et il a tenté de. Et il a la range drive. C'est de l'overshoot, les enfants. C'est quand même horrible, mais c'est sur le déplacement. Nice. On égalise. Musique de Fire Emblem Héritage. Peut-être, je crois que c'est pas que la musique. C'est Lost and Found. En japonais, j'aime bien aussi. C'est la seule que j'aime bien. Hors Treehouse. Voilà, parce que ouais, moi je mets de la musique Fire de Treehouse. Et alors tu vois, grave, du côté de Kuma, on a tenté. Ah, si c'était un bon Kazuya, il aurait fait le petit reverse nerf en tech sur la plateforme. Oh, je pense que Tilt Jot en lumière c'est au moins 12%. Je pense que ça met genre 4%, non? Et comme il est en x3 le projo. Oh, l'auto-turn. Quelle mécanique de tricheur aussi, ça. Je pense en vrai c'est des choix en exé. Tu fais que des Electric Fingle Beast. Bah, le vent il arrive pas. Ouf. Dommage, il a voulu la rolling. Le gars il avance pas, il suffit de... Jo. Salut Kung. Ça farte. Ça farte un max. C'est pas moi. Et salut Ainuil. C'est signe énervé. T'es où? Voilà. Regarde, t'aurais pu soulever le Kazuya de Kuman Echo. En vrai c'est serré hein. Mine de rien, c'est close hein. Taka prend la stock. Kuma la récupère juste après. Donc ah là c'est parti le grave. Les dégâts peut-être 42%. Dommage, Kuma il a pas plus de conversion que ça. J'ai l'impression. Peut-être qu'il me fera mentir. Oh, le grave il passera pas. Non, alors, ça sera largement mieux. Ah bon tu penses? Oh là là, il s'est pris, je crois, 20%. J'ai pas fait gaffe. Deux coups de tête de jab. Je trouve trop marrant ce move. Attends, là, il explose, hein. Au ledge. Ah, bah, il était pas au ledge. Il fait un site d'été, mais du mauvais côté. C'est dommage. Du coup, il a pas cané. Et la Kuma qui va pouvoir tuer. Il va chercher à les side B. Taka qui reste bien à distance. Pour ça, s'il se prend le side B. Il reste à distance et il se prend pas le side B. Les touches en faisant un. Ouh, ça a beaucoup dansé en shield. Oh, dommage, il avait vu le jump. Là, c'est quoi? Oh, je kiffe cette throw. Elle est trop stylée cette throw. Je crois que c'est le up throw, hein. Je sais pas du tout. Mais je crois que c'est le up throw. Elle est trop stylée. Et le up throw. Frame 6 ou frame 8? Qui prendra
La dernière de Taka donne le point à Kuma. Random. Non ? Comment dire ? C'est pas il embrouille, bah si, ouais, il embrouille ses déplacements. S'il est très mobile sur le terrain, tu laisses peu d'opportunités à ton adversaire de vraiment découvrir ce que tu vas faire. C'est même mieux que de rester trop statique. Alors juste à le space. C'est gravement triant. 37% pour le Kuma. Bon esquive du backer là-dessus. Pourquoi je joue sur la musique triste aussi? C'est Taka qui a choisi la musique. Kuma il a pas d'écouteur là. Pourtant j'ai laissé mon splitter sur le setup hein. Aïe aïe aïe. Oh il a loupé. Bah gros choc. Demande à ce que Kuma il mette des bonnes musiques. Tu vois genre quand on joue tous les deux Kung, il y a de la musique énergétique tu vois. En mode de Red Bull Monster. Ça donne des ailes. Pas confiant. Ah bah excuse-moi mais après on n'est pas sur Tekken ici hein. Ce serait pareil hein. Et oh, Taka qui a bien reculé. On passe par toucher par la race drive mais comment on le voit hein. Comment il cherche la race drive. Qu'il vient de perdre. Attends mais oui. Je crois tu SD après ça. Je ne suis pas sûr. Mais après un side B ouais tu SD. Mais il a sauté dedans. Diagonal tilt forward to WG. Ouais bah si tu veux, je te crois. Et là peut-être. Bam bam bam. Petit laser. On va chercher un smash. Get up attack. Il a pas pu, c'est dommage. Je pense qu'il a voulu faire grave de slow, mais il a fait une spot dodge. Il est trop vite. Bon je joue pas Kazuya. Bah parce que j'ai pas les DLC. Oh bon snipe. Je n'ai pas les downloadable content. Ah peut-être que ça me plaît. Mais je sais pas quand même. Des fois il faut pas mais c'est pas. C'est rigolo. Regardez la paire et tout. Oh ça se trouve je kifferais Kazuya. Qui sait. Meilleur Kazuya bon. Oh j'aime bien ça. Oh, c'est stylé. Ce coup là je le trouve stylé aussi. T'inquiète, tu comprends des combos, tu vas rigoler. Ah ouais comme ça. C'est que 5 combos. Ouais mais toi je joue trop à Smash. Enfin, genre je joue chaque mercredi à Smash tu vois. Ouais ça reste que 5€ mais vraiment je joue pas. Bam. Oh il retrouve le grab. Si seulement il avait le grab de Meta Knight. Alors, ce sera un peu plus compliqué. Hein. Je retrouve cette conversion grab. Moi il a pigeon. Il va devoir up et early et trouver son air dodge. Oh on n'est pas loin là-dessus hein. Le dash back et smash. Pourtant il est allé super loin avec son side B, est-ce que c'est parce qu'il était au sol? Je découvre en même temps hein. Il fait fou de voyer. Regardez la rage drive, je pense au ledge. Si Taka est au bord du ledge, il lui fait la rage drive, il meurt là. Kachou se fait atomiser. Aïe aïe aïe. Ok c'est pas pareil. Et bah merci pro FGC. T'es le pro des FGC mais tu joues cloud toi, tu vas pas bien. Hein. Bonne GI, la GI out qui permet de survivre encore un peu plus longtemps. On va trouver le long partner, une tout d'un smash, plus beau tu connais. Enfin, pas trop hein. Moi j'aime bien la petite coupe en pointe de Kazuya là. Je crois qu'il y a une explosion de saveur. Oh bah. Il y a eu un bruit. Une boisson qui est tombée, ou quelqu'un qui a jeté une boisson, mais soit. Un gros bruit un peu distrayant. Revenons au match, mes excuses. Aïe, pas loin de trouver ce side hein. Kuma qui a essayé de pack deux fois, il s'est loupé, il s'est pris quelques pourcents vêtements. C'est comme ça que Taka gratte les pourcentages. Hein. À base de T-Jolt, de Tech Chase en backer. Et là, peut-être, sur la dernière stock, le bon grab, le bon autrun, pardon. Et il a plus de jump. Kuma qui patiente énormément au ledge et ça paye. Sauf que là il a la rage drive. Je sais pas si ça s'appelle rage drive. Dis-moi si ça s'appelle rage drive. Hein. Reja Art Kuma Kung, écris le moi. Ah, rage drive. Le développeur il dit non.
Rage Quit. Oh Kung, tu nous manques. Ah, il a pas tort, hein, il a pas tort. Voilà, c'était Blopper. Et là, on est peut-être sur la dernière stock. On est pas loin, on était pas loin. Et je pense sur Pikachu, ça va être un peu plus dur à confirmer. Même si le perso, il va éclater à 50%, hein. y a pas de problème là-dessus. Pas de quiproquo. Oh, le mash-out de Taka, c'était excellent. On a trouvé le F-Tilt. Je ne sais pas si c'est un F-Tilt. C'est un des many F-Tilt qui existent. Le up B dans le vent. Parce que pourquoi pas. Alors on meurt, up throw. Non, on meurt pas. Kazuya, c'est lourd. Je crois qu'il a essayé de trump, mais ça a pas marché. Comment qu'il a essayé de lire une spot dodge, mais là il va se faire back throw. Il pouvait pas faire une back throw genre quand on va en diagonale bizarre là, ça tuait ça. Hein. C'est dangereux, hein. C'est très très dangereux ce que je vois là. Oh, le shield stun énorme. C'est last hit tous les deux. Ah, c'est fini. Oh, c'est dommage. On était à pas grand chose. Mais Kuma prendra cette dernière stock. Attends, je lis un peu. Tu reviendras en novembre. Ah, c'est un peu loin. Hein. D'ailleurs, m'appelez pas pour ceux qui.